Eh bien, salut, bonsoir à Macho Boys et Sexy Girls et bienvenue dans notre première partie sur Batman Arkham Knight. Et n'oubliez pas les potos, nous sommes ici pour s'amuser et non pour jouer comme un pro. Alors, nous allons débuter l'histoire tout de suite et voilà. I've got you under my skin. In the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thing. Ben, je sais pas qu'est-ce qui arrive, mais le Joker là, j'espère qu'il va pas ouvrir les yeux et me dire surprise, motherfucker. Il fallait que je fasse ça. Pas... C'est... Oh, désolé. Comme ça que c'est arrivé. C'est... comme ça que Batman est mort. Hé! C'est pas Batman, ce gars-là! Ah non, dis-moi pas que Batman va mourir à la fin. Non. Il y a 9 mois, le Joker a été incinéré. J'ai moi-même appuyé sur le bouton et brûlé ce salopard. Ensuite, on a attendu. Gotham se préparait à subir une inévitable lutte pour le pouvoir. Mais elle n'est pas venue. La criminalité a même baissé. Au fond, je savais que la guerre approchait. Quelqu'un finirait bien par mettre le feu aux poudres. Jolie party d'Halloween. Ah, dis-moi pas, je vais contrôler un vieux policier de merde! Moi, je veux contrôler le héros avec la cape noire! Le super-humain qui est tout simplement humain. Il n'est pas vraiment super-humain, vous savez ce que je veux dire, n'est-ce pas? C'est pas un Spider-Man ou un Superman qui a des pouvoirs magiques. Lui, là, c'est un humain qui protège la ville avec ses propres bras. Oh, ok, je peux contrôler ce bonhomme. Avec plaisir. Oh, je savais pas que je pouvais contrôler ce bonhomme. Merci, mon chou. Et... Bien, à quoi? Comme d'hab? Ouais. Donc, une salade au poulet sans vinaigrette. Non, vous savez quoi? Mettez-moi des gaufres avec supplément bacon. Dites rien à ma femme. Comme vous voudrez, monsieur l'agent. Faut pas que tu dis ça à ma femme. Faites-moi signe si vous voulez du café. Parce que si tu dis ça à ma femme, là, je suis dans la merde, j'ai gaspillé $2 de plus. Avec supplément de bacon. Oui, donne-moi mon supplément de bacon. Je peux pas bouger d'ici, je peux juste regarder autour de moi. Excusez-moi d'interrompre votre repas, agent Owens, mais il y a un homme qui fume là-bas à la table du coin. 2 secondes, je vais le voir. Je peux même pas prendre mon break. Ah, faut toujours que je travaille, hein. Dès qu'on me voit, oh, je suis un policier, allez, va faire ton travail, blablabla. Ça doit être lui. Wow, il est gangster. Je la sens pas celle-là. Il y a une capuche, c'est pas bon ça. Excusez-moi monsieur, c'est mon fumeur ici. Oh, holy shit! What the fuck? Yo, je savais qu'il allait avoir de la merde. Allô? Comment vas-tu? Oh shit!
Qu'est-ce que je peux faire? J'appuie sur tous les boutons, je peux rien recharger. Wow! Non! D'après les témoins, les gens qui en un instant profitaient calmement de leur dîner ont été pris dans une attaque sauvage et cauchemardesque. Parmi les rares survivants se trouve un agent de police. Cette démonstration n'a requis que 140 grammes de ma dernière toxine. Ceci sera ton seul avertissement. Oh, oh, oh! Il est en train de semer la terreur partout là. Laissez-moi rentrer. Eh ben, ce bonhomme, il va à l'école. L'épouvantail a semé la panique. Hier, Gotham City comptait en tout 6 300 000 habitants. Aujourd'hui, beaucoup moins. Les seules personnes que l'on voit encore dans les rues sont celles qui aiment le chaos. La crème de Gotham. Les crapules. Les criminels. Et pire encore. Il n'y a plus assez d'honnêtes gens pour les arrêter. Et c'est moi les héros qui dois faire le ménage, c'est ça? Hein? Bonne chance, Batman. T'as beaucoup de travail. Tu peux pas appeler ton ami Superman. Il n'a fallu que 24 heures pour qu'on perde tout contrôle de la ville. Ce soir, le sort de Gotham est entre les mains d'un seul homme. Nice! Je contrôle enfin Batman! D'accord, au milieu de l'écran, je vois quelque chose, ça veut dire que je dois aller vers le point, c'est ça? Wow! Oh! Hey, c'est cool, je peux planer, je suis un oiseau! Wouhou! D'accord. Rappelez-moi de braquer une boutique de jouets, j'ai promis à mon gosse de lui acheter un cadeau. Va donc acheter ton cadeau ailleurs. Bon, oh, faut un peu de temps pour apprendre à jouer à ce jeu là. What the heck? Et... Ouais, d'accord. Oh, il faut que je me dirige là-bas, là, mais je sais pas. Pingouin et Double Face, ils bossent ensemble. C'est bizarre. J'aime pas ça. Moi non plus. Surtout le mec, là, il a la face à moitié brûlée. J'aime pas ça, il fait peur. Et c'est qui me fait ça? Wouah. Ah, qui? On va s'amuser un peu avec toi, Batman. Eh, hey, bye-bye. Attends, attends, attends. Oh, attends, non. On va essayer de se battre. Oui, yes. Et c'est trop cool, le combat c'est fluide. Damn. Je sais pas c'est quoi les boutons de ce jeu, j'aurais dû regarder les contrôles, c'est que je suis con. C'est pas... Damn, je lui ai massacré la gueule. Wow. Oh, oh. Hey, c'est trop cool. Je peux aller partout avec mon grappin, je suis comme Spider-Man là. Mais je suis meilleur parce que je suis un humain. C'est trop génial. Quoi? Ça me rassure que tu sois hors de danger. Désolé, faut que j'y aille. Reste au calme, Barbara. Vous savez toujours soigner vos entrées. Comment se passe l'évacuation? Le dernier bus est sorti de la ville il y a une heure environ. Je suis soulagé que ma fille ait pu partir. C'est maintenant que le travail commence. Du neuf sur l'épouvantail? On a traqué un véhicule militaire non identifié qui fonçait à travers Chinatown. C'est la seule piste qu'on a eue de la nuit, mais il nous a filé entre les doigts. Avec cette histoire d'évacuation, je n'ai plus assez d'hommes sur le terrain. Si vous le retrouvez, dites à vos hommes d'attendre. Je m'en chargerai.
Vous pensez vraiment que l'épouvantail est assez fou pour faire exploser une arme chimique en plein Gotham? Je ne lui en laisserai pas l'occasion. Si vous avez besoin de me joindre, la nuit va être longue. Hé, hey, Batman! C'est toujours la même chose. Bon. Oracle, je voudrais l'emplacement de l'unité 247. Je suis dessus. Comment va mon père? Il tient le coup. Quoi qu'il arrive, il tient toujours le coup. Ok, voilà l'emplacement du véhicule de l'escouade. Soyez prudents. Ça risque d'être délicat. Oui, passe. T'inquiète. Bon, biographie de personnage déverrouillé, Oracle. Hein? Ah, salut ma belle! J'espère que j'ai pas besoin de la draguer et qu'elle m'aime déjà. Hein? Parce que si je la drague, oh boy, il y a un petit Gordon qui va m'attaquer, c'est-à-dire ce bonhomme. Bon, allez, j'ai eu la biographie de plusieurs bonhommes. C'est super cool. Et maintenant, je vais faire mon... Je pensais que Gordon City, c'était les 4, mais là, c'est carrément un autre niveau. Oh, ok. D'accord. Je sais pas s'il y a un moyen de voyager rapidement à part l'utilisation du grappin. Mais on va utiliser ça pour l'instant. Ouh. Ah, une seconde. On va regarder un peu les boutons du jeu. Parce que là, je sais pas comment utiliser Batman, malheureusement. Donc, contrer, frapper, coup de cap, courir. Ok. S'accroupir, batarang, blablabla. Se déplacer. Regarder les alentours. Bon. J'ai quand même une petite idée de comment jouer à ce jeu. Let's go! Ouais? Ben, si je pouvais voler comme ce mec ou... Ben, il vole pas techniquement, il est en train de planer. Mais si je pouvais faire ça dans la vraie vie, je m'amuserais à faire ça à longueur de journée. Regardez ça! C'est trop cool! Triple fracture de bras, mais je... Non, pitié! Cette ville, c'est plus la vôtre maintenant! Qu'est-ce t'aurais mieux fait de partir avec les autres. Tu as bien cherché à vouloir jouer les héros. Pitié. Non. Cassez-lui la mâchoire. Non. Non. Attends. Je prends de l'altitude et je vais sauter comme un pro. Oh, what? Ah ben, j'ai pas fait de kaboom. Pourquoi? Yeah. Ça. Oh, qu'est-ce qu'il fait avec son bâton de baseball, ce gars-là? Non. Contre-attaque. Pire. Wow. Wow. Karate Kid, ne niaise pas avec Jackie Chan. Yo, Jet Li, Chuck Norris. Ce gars-là, là, il s'est fait fourrer dans le cul. Yeah. Hey, Batman, me laissez pas là, je vous en prie. Et si je vais te laisser là? Eh? You? Est-ce qu'il est dedans? Hey, attends, you, le bonhomme qui m'a parlé. Ah, il est ici. Vous ne risquez plus rien. Merci, Batman. J'ai bien cru qu'ils allaient tuer. Oh, shit. La ville est envahie. On n'a aucune chance. Restez ici. J'envoie quelqu'un vous chercher. Qu'est-ce que vous faites? J'équilibre le jeu. Waouh, équilibrer le jeu. Oh! Déjà l'utiliser, c'est magnifique. Donc si j'appuie sur L1, je peux sauter de haut. J'ai besoin de traquer ce véhicule militaire. Une voiture de police l'a pris en chasse. Je vous transmets ses coordonnées. Ah, je peux sauter de haut et appeler la Batmobile. Wow! Rappelez vos hommes, Jim. Golf Oscar 5-6, ici le commissaire Gordon. J'annule la poursuite. C'est trop dangereux. Chef, on y est presque. On peut avoir ce fumier. On va l'avoir. Eh, hey, la Batmobile drift tout seul, c'est génial. Ils viennent de nous balancer une roquette. Mais qui c'est, ces types? 5-6, repliez-vous tout de suite. C'est un ordre. Laissez Batman s'en occuper. 56 a essuyé un tir de roquette. Ils ont été éliminés. Yeah. Je vous en prie, Batman, vous devez les arrêter. Okay. Ne vous inquiétez pas, Jim. Il est à moi. Ah, je vais l'avoir. Si seulement je savais comment utiliser la Batmobile.
Hey! J'ai pas d'autre attaque qu'à part 5! What? Hey! Bim! Oh, on est à Chinatown! Oh! Et voilà pour le véhicule. Sortir de la mode mobile! On interroge le conducteur pour déterminer ce qu'il sait. Oh! Comme ça? Ben, il faudrait que je le trouve tout d'abord, hein? Attendez, je suis pas encore habitué à utiliser la minimap. Où est l'épouvantail? Va te faire foutre! Où il est? Je n'ai rien à te raconter, Batman. Parle! Ou je réduis tous tes os en miettes. Ok, ok. Il bosse dans un appartement à Chinatown. Je te jure, c'est tout ce que je sais. Si tu mens, je te casse l'autre. L'autre quoi? Ah! Ah! Il est violent. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon petit Bruce Wayne, t'es trop intelligent pour moi! Oracle, vous pouvez vérifier la dernière analyse chimique? Bien sûr. Est-ce que c'est ce que je pense? La nouvelle toxine. Un échantillon non contaminé. C'est bien ça. Je vais lancer une analyse chimique complète sur le bat ordinateur. Qu'est-ce que vous allez faire? L'épouvantail a un repère pas loin. Je vais lui rendre visite. Espérons que c'est l'indice clé qu'il nous manquait. D'accord. Bon, on va monter dans la Batmobile et on va s'amuser avec l'épouvantail. On doit aller là-bas, c'est ça? Non, ça me tente même pas de planer. Planer, c'est cool. Mais ça, c'est meilleur. Squad du Gotham Herald. Falcon 4 terminé. Oh. Attendez une seconde. Je suis sûr que je peux voir les commandes pour la Batmobile. Ok, ouais, mode poursuite, mode combat. Il y a tellement de boutons. Canon, canon Vulcain, y'a ci, y'a ça. Holy bébé! Attends, IEM, barrage de missiles, virus pour drone. C'est quoi ça? Hey, j'espère que le jeu va m'apprendre à jouer avec la Batmobile. Donc, marquer, immobiliser, freiner, post-combustion. C'est quoi ce post-combustion? On va aller essayer. C'est ici. Je devrais aller jeter un œil à l'appartement du dernier étage. Non, le truc de post-combustion, ça ne marche pas. Ah, fuck it! Là, c'est tellement cool! Et même les meilleures voitures... Ah, prends ça! Oh, attends! Non, c'est un civil! Ah, ben non, c'est pas un civil! Qu'est-ce que je dis, là? Là, j'allais dire que la Batmobile, y'a rien qui peut battre ça! Lamborghini, Ferrari, oubliez ça! Même les Toyota peuvent pas battre la Batmobile! Et mon Batman, là, travaille beaucoup! Waouh! Pour vrai, je me suis laissé faire juste pour voir c'était quoi l'animation là. C'est génial. Ah, yeah, vous savez, je travaille quasiment 24 heures sur 24. On pourrait pas me payer un petit 10$ de l'heure? Je sais que je suis riche en maudit, mais quand même, avoir un peu plus d'argent dans les poches, ça, je dirais jamais non à ça. Damn. Bon, on va planer un peu. C'est bon les amis? Attends, J'ai vu des gars du Pingouin et d'Harvey bosser ensemble. Si ça, c'est pas un signe qui annonce... On va la garder combien de temps? Attention, c'est Batman! Oh! Ok! Ok, wow, wow! Tiens! Team! Ah, t'es encore vivant? Les portes sont verrouillées. Il faut que je trouve une autre entrée. Ouais, peut-être qu'il s'est dit qu'il devait avoir la tête de l'emploi. Ok, on va trouver une autre entrée. Ici? C'est du délire. Non. Non, attends. Je suis là parce que ton patron fait un complexe d'infériorité. Ce n'est qu'un humain, après tout. On t'a pas sonné, le monstre. Ils lui ont proposé de les rejoindre. Elle a dit non. L'épouvantail va se servir d'elle comme d'un nouveau cobaye. J'adore ce jeu! Regardez qui est là. Il ne se prend pas des masques. Vous devriez revoir votre... J'ai vu des arbres qui avaient... Quelque chose me dit que ça ne faisait pas partie du plan. Tu l'as dit, ma petite Poison Ivy. Ça fait pas partie du plan. Hey, damn! C'est quoi cet endroit? C'est un labo? Wow!
Et ce jeu, c'est magnifique. Hey, c'est Poison Ivy voilà, qui est là-dedans. Les choses un peu plus intéressantes. Monsieur, Batman, il est là. Tu t'attendais à me trouver, Batman. J'ai bien peur de te décevoir. Regarde bien la cellule. Je veux que tu fasses connaissance avec la peur qui t'attend. Ok, la bête de foire. On va sortir d'ici tranquillement. Si tu tentes quoi que ce soit, je vais exploser la cervelle. Vas-y. Charmant. Mais un seul d'entre nous sortira de cette cellule. Non! 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 Rien ne vaut une petite intimité naturelle. Je me demande si je vais faire un boss battle. Maintenant. C'est le début du jeu, les amis. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Pourquoi l'épouvantail t'a enfermé? Même pas bonjour. Dis-moi. Et si je ne te réponds pas? Alors je brûlerai toutes les plantes de Gotham. J'étais à la réunion. Quelle réunion? Il y avait tout le monde. Le pingouin, Double Face, l'homme mystère, même la pauvre Harley. L'épouvantail a dit qu'il avait un plan. Que tous ensemble, on pouvait t'écarter et que Gotham serait à nous. Il faudrait me tuer pour ça. En effet, c'était l'idée. Je lui ai dit que ces pathétiques histoires d'humains ne m'intéressaient pas. Mais avant que je puisse réagir, je me suis retrouvée enfermée. C'est dommage que sa toxine infecte n'ait aucun effet sur moi. La nature gagne toujours. Il n'apprendra donc jamais. Non mais laissez Batman tranquille, y a pas de pouvoir. Y a juste des gadgets et vous faites des tchou tchou tchou. Et va mettre une vraie culotte parce que là t'es en train de me distraire. Tu viens avec moi. Il suffisait de demander. Qu'est-ce qu'il y a? On tient la cible, elle est coincée. Ne bouge pas. C'est lui, vous êtes sûr? Batman, confirmé. Monsieur, le tank qui leur sert de renfort est sans pilote. Bien. Je croyais que ce serait du une attends, c'est quoi ça? Oh! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je peux choisir des gadgets? Et c'est génial! Ah, il y a tellement de trucs. Bon, arrêtez le pilotage à distance, changez de vue. Gel explosif, hé hey, bébé! Attends, on m'a dit de choisir ça, non? Alors, changer la vue? Non, L1? What? Choisir? Eh, hey, what the fuck? Ok, relâchez. Hey, attends, Batman, t'avais pas dit que t'allais pas tuer le Batman, monde? Batman, je détecte 6 autres tanks télécommandés dans Chinatown. Ils seront là d'un instant à l'autre. Ouais, mais il faut que je me dirige où? Holy shit, qu'est-ce qui se passe? Yo, je sais vraiment pas qu'est-ce qui se passe avec ce jeu. Et honnêtement, où dois-je aller? C'est genre, la minimum ne dit rien. En tout cas, les amis, nous allons prendre une petite pause ici et nous allons continuer ça la prochaine fois. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette partie sur Batman Arkham Knight. C'est tellement génial, il y a tellement de trucs à faire. Mais il y a tellement de trucs que je sais même pas quoi faire. Je sais même pas comment utiliser cette Batmobile. C'est fou! Pour l'instant, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc,
Si vous avez adoré cette vidéo et vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laisser un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout, vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors la prochaine partie tout en vous joignant au Gang de Cole. Et vous savez, puisque c'est la première fois que je joue à ce jeu, c'est vrai que je suis noob et tout, mais au fur et à mesure qu'on va jouer là, on va s'améliorer et on sera joué comme des pros. Ben, c'est un pro, le pro des noobs disons. En tout cas, brrr.